Pour la première fois à Mandiana, le tricolore guinéen rouge, jaune, vert a remplacé le jaune, couleur de l'ex-parti au pouvoir, le RPG, dans une manifestation de réjouissance. Ce vendredi, plus d'une centaine de jeunes ont envahi les rues de cette localité, jadis bastion imprenable au RPG. De la maison des jeunes en passant sur le Patrias, le Grand Marché jusqu'à la préfecture, les jeunes ont livré une véritable démonstration de soutien au Comité national pour le rassemblement et le développement. Nous, les jeunes de la préfecture de Mandiana, dans sa globalité, à cette occasion, nous profitons une fois encore, avec notre permission, Monsieur le Préfet, de transmettre ce message de plaidoyer auprès de son Excellence, Monsieur le Président du CNRD. L'achèvement de la route Kankan-Mandiana, l'achèvement du pont sur le fleuve Sangrani, la création des conditions d'accès à l'emploi des jeunes, l'achèvement du nouveau site du camp Marikandji-Diallo. Après avoir écouté les jeunes, visiblement acquis à la cour du CNRD, le nouveau préfet de Mandiana, le colonel Mamadi Dembélé, a promis aux jeunes de remonter le plaidoirie acquis des droits. Il leur a ensuite demandé de se donner la main et d'éviter les guerres pour le développement de Mandiana. Nous venons d'entendre le discours de M. Le DPJ de Mandiana. Et il a parlé du développement de Mandiana. Inch'Allah, les jeunes qui ont pris le pouvoir, c'est la jeunesse. Nous sommes là pour le développement de Mandiana. Mais qu'est-ce que nous voulons? On veut la paix, on veut l'entente des jeunes de Mandiana pour que le développement prôné puisse aller de l'avant. Et vous-même, vous avez constaté, depuis l'avènement au pouvoir par le militaire, il n'y a pas eu de vandalisme, aucun opérateur économique n'a été dérangé et tout en train de partir comme prévu ou comme avant. Donc je demande la cohésion, l'entente pour que le même chemin emprunté. Après donc Kankan, Farana et Dingiraï, Mandiana est la quatrième ville de la Haute-Guinée à avoir manifesté ouvertement son soutien au Comité national pour le rassemblement et le développement CNRD et à son président colonel Mamadi Doumbouya.